On y va, Diva. Et j'ai assis la France sur mes genoux. Et je l'ai trouvée névrosée. Et je l'ai psychanalysée. Qu'est-ce que vous croyez, vous qui ne croyez pas? Une âme collective peut aussi être sondée, interrogée, soignée. La France souffre depuis longtemps de je ne sais quoi et de presque rien. Mais depuis quelque temps, plus rien ne va. C'est la paralysie totale. Elle a, comme on dit, besoin d'une bonne cure de désintoxication, d'une analyse en profondeur des raisons de son désarroi, pour que son déclin ne soit pas confirmé par un triple C attribué aux âmes chaotiques. France, je vous prie de vous asseoir sur ce divin divan plutôt que de vous mettre à genoux. Oui, je sais que vous ne tenez plus debout, mais ce n'est pas une raison de me signifier que vous êtes plus bactère. L'amertume ne justifie pas l'enclume. Voilà, France, je vous écoute. J'entends vos souffrances. Je comprends vos doléances. Mais en psychologie, on ne peut pas attribuer la faute à... Ah, pas de chance. Non, on ne peut pas se décharger de ses responsabilités. En invoquant la conjoncture ou le rapport des forces, on y est toujours pour quelque chose. Rien qu'en s'y rapportant. Non, France, 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 ne me dites surtout pas que ce sont vos deux derniers amants qui vous ont mis dans cet état. Je ne vous suivrai pas non plus sur cette pente que toutes les mauvaises fois arpentent. Et puis, vos amants, vous les avez choisis, vous les avez élus, vous les avez portés au nu. Donc, vous ne pouvez vous en prendre mais qu'à vous-même. Mais ce qui est navrant et névrotique en même temps, ce n'est pas tant de se faire saigner à blanc de temps en temps, mais de l'être tout le temps et par les mêmes larrons. Cette automutilation, répétition, hein, cache, je l'avoue, un déséquilibre réel. Je dirais même un étrange dérèglement. France, vous êtes bien malade et votre maladie est paradoxale. Là où toute âme bien née et qui n'a jamais lu Michel Onfray s'emploie à tuer le père, à se débarrasser de toute tutelle, vous vous efforcez de restituer le père. De le ressusciter même. Mais il était mort sous De Gaulle. Et vous l'avez ramené sur terre. En vous accrochant aux lacets des chaussures américaines, vous les suivez au pas. Et vous aplanissez leur voix. USA, 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 USA. C'est ça votre surmoi. Le concept en basket. Et un petit lemon inceste sous la couette avec votre père outre-Atlantique. Ah, bien, vos enfants seront simples et sans tête. Oh, France, France. Non, inutile, inutile de me fredonner la chanson du mal-aimé. Vous n'êtes pas à plaindre. Mais vous ne faites rien d'autre que feindre le désamour. Vous ne vous aimez pas. Et ça vous console de le projeter sur les vôtres et sur les autres. Mais comme quoi, il n'y a pas plus sadique qu'un masochiste qui peut aller jusqu'à faire aux autres un mal qu'ils n'auraient jamais fait par eux-mêmes. La Libye, le Mali, la Syrie, ce ne sont que des coups déportés, des douleurs rapportées dont vous voulez devenir la seule héritière. À jouir et se réjouir du mal provoqué, ah, n'est-ce pas là le comble de la perversion. Mais on le sait depuis Baudelaire, les plus beaux orgasmes, ce sont les orgasmes artificiels. Oh, ciel, mon Mali, artificiel, ma Syrie, tout va sur
c'est la nouvelle psychose humanitaire. On vous fournit toute l'aide nécessaire pour permettre à vos adversaires de mieux vous entuber, vous, mais en pensant à nous. Parce qu'au fond, nous n'avons qu'un rêve, n'est-ce pas? We have a dream. Nous faire entuber à notre tour. L'heure, c'est l'heure, désolée, mais on va devoir interrompre cette petite séance. Vive l'ambulance! Vive la France! It's amazing, I'm the reason everybody fired up this evening.